KPG Energy, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KPG Energy, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KPG Energy développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KPG Energy gère votre consommation et votre stockage. Nos services. Matériel européen très durable. Deux équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KPG Energy, finis le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199. Soit plus 243 999 466 256 immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe référence rond-point Kimazière info kbg@yahoo.com. KPG Énergie, qualité et fiabilité. Mbote baïté vous avez partout dans le monde entier à travers Congolaise Télévision. Entier Mobimba, tout comme Belmino Bolandi Malamo, les Lopenza, tous alliés à la 4e siège à Idepes, tout un Belmino Mouamboka, Gustave Lutumba, Oazali, président, Moko Eba, président et parlementaire debout, puis président et Asafati, Oazali, Moko Eba, regroupement à la 4e Idepes. Naye penza to ko lobela mingi mingi ayi ko pesa droit de réponse na émission Bolanda ki miko eleka ki moko pe ba président parlementaire de Bouyaville président Bill ye penza lobaki na tina i de pesa lobaki ba propos moko penza o se pesa ki ba i de peste lobaki penza ba propos a mabe ndenge i de pesa ko diriger na bato ya tanga ki ndenge ba parlementaire de Bouba ko se retrouver te kasi ye penza lobaki qui m'a cambo et belé n'a yango le lot président Gustave a eko pesa droit de réponse et mbote président Gustave. Oui mbote maman ba meilleur vœu na bande konyo so bazali ko landa biso na sepeli mingi na ndeto kutani na bino susu na année 2020 na nzela ya émission oyo pona to meka un peu ko lobela na makambo o etali mboka mais aussi o etali lui de pesse na secteur ya ba parlement debout. Parce qu'on a suivi, on a entendu, on a vu et on devrait quand même rétorquer pour essayer un peu de recadrer Makamboum sous ces belles belles. Bonne santé, bonne partie, bonne Asafati, et Kotambo Malam. Oui, Asafati, c'est vraiment Kotambo là, très très Malam ou Mingi, parce que tout le monde est là, moi marche, moko awa, tout le monde est là, et quand la Mingi était tout à l'heure, peut préparer, moi, ma activité, moko boya rétro, pour n'akoye, n'akotali, ça, c'est qu'a été. Le parcours de l'Asafati en 2019. Donc jusque-là, vous allez vraiment vivre à Tekitroko et tout à qui quand même qu'on soit payé, ne fût-ce que moi, bureau d'abus administratif, vous allez permettre à Bissot de travailler. Nandenge moko vraiment, il y a malamou, mais vous allez kokobara toujours naba implantation, aussi naba adhésion, parce que vous allez vivre à Bissot pour adhérer. Et surtout beaucoup plus sur Bandeko, Bazanga va parti politique, Bazanga va tendance politique, Bazanga congolais, Naba congolaise, il peut venir, Nakati Asafati, ou Yababango bien, parce que Nazafati, Ezara Makambo, Yamalam des années. Oui, moi, je suis Gustave Lutumba, Lelo Penza, je suis Benga Kinga, na émission Olanda qui Penza, président Billy, Oasola qui peut, je suis journaliste à Congo Live, Natina Koloba été. Lelo penza IDPS et comment ko kumbama na ba quatre personnalités o yatanga ki penza première dame madame mama Denise Tshisekedi atanga ki mama Marthe atangi moi aussi ya dire ka chef de l'état mama Amida p
pena bato mosusu kasi président Jean-Marc Kabund to PCG Kabuya bazan moka ba étiquette mais bato pena ba kotambusa IDP ezali bato wana okokoloba nini na ba propos ya président Bini. Bon d'abord azamutu parce que moni na je m'excuse na IDP et de suko yo to promouvoir ka ba valeur démocratique entre autres il y a la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Mais ce moutou, par rapport à la liberté d'expression, à l'obibi loko o, ils allaient dans 4 antilates et au Sénégal pour recadrer. Et nous allons d'abord, comme un peu, qu'on s'est présenté. En dehors, il y a Rosala, coordonnateur principal, il y a l'association pour le soutien des actions de Félix Antoine Tshisekedi Azafati en sigle. Nous allons le secrétaire général, il y a collectif, il y a parlement debout. Donc, collectif à parlement debout, c'est-à-dire l'Isanga, ou Sangisi, différents parlements debout, différents comités à parlement debout, différents présidents, il y a parlement debout. Et Zakaka, membre ou Bazali Nakati, il y a collectif, il y a parlement debout, n'est pas coquille qu'on engage dans l'ensemble tous les parlementaires. Mais un président à parlement debout peut engager son parlement, parce que dans le fonctionnement, le Parlement debout est autonome. Un président du Parlement debout peut engager son Parlement, mais il ne peut pas engager tous les parlementaires debout parce que l'organe qui engage tous les parlements debout, c'est bel et bien le collectif de Parlement debout. Oyo Tozali na Dieudonné Mulumba comme coordonnateur, Tozali na Pierre Zomba comme coordonnateur adjoint, et Ngai Nazali le secrétaire général. Et puis, na ligne qu'on précise. Depuis collectif et Salama 4e année en Bande Zala qui existait. Oui, Salama na Yemoko, le vieux a pensé à penser, Etienne Tshisekedi, pensionné qui matérialisé dans Jean-Marc Kabund à Kabund. Je fus et je suis et je demeure le seul secrétaire général au Banda collectif et Banda. On a eu à changer au moins 3 coordonnateurs, mais je reste toujours le secrétaire général à collectif. C'est-à-dire, je maîtrise bien les fonctionnements. Il y a structure Nabiso informel au Tobinga Kanakombo, il y a collectif du Parlement debout. Ndeko Nabiso Bill, oui. À un moment donné, il a été Nakati. Il y a comité Moko et Bandaki qui dirigé le Parlement debout, il y a hôtel des villes. Mais le lot de Nazur Baboué, Azalara Lissou Souté. Donc, Azalara appelle Lissou régulièrement dans le Parlement debout. Mais moi, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, parlementaire debout. Je suis là, parlementaire debout. Il a son droit, il y a un parlementaire debout. Et puis, Azali parlementaire debout, je le confirme. Mais par rapport à ma propos, il y a Tena Kiwana. Il ne pouvait jamais engager les collectifs qui ont parlement debout. Parce que Azali présente un parlement débouté, mais il est membre, n'est-ce pas, dans le parlement debout. Moutalaï qui dirige le parlement debout, le lot, il y a hôtel des villes, OSK, OIA, Zala Kawana, et Zali le président fidèle. Donc, ce Moutalaï qu'on va peut-être engager le parlement debout, il y a hôtel des villes, il y a le président fidèle. Mais moi, à ma grande surprise, Namoni Azali qui a engagé les parlementaires debout dans l'ensemble, jusqu'à dire que non, tu as la marche le 24, pour na côté les Mela. Le président. Non, j'arrive. Pour notre côté, mais là, le président Félix Antoine Tshisekedi, Nandenge Keno Biso va parlementaire debout, Tozali Kozoa Moussa Laté. Moi, je trouve peut-être que non, il pouvait soit avoir raison en Kolbakeno, les parlementaires debout, jusque-là ne se retrouvent pas. Oui, sincèrement, jusque-là, les parlementaires debout ne se retrouvent pas, mais on est dans le processus. Vous comprenez un peu? Il fallait qu'il peut-être à tout Nabiso pour na Azoa. Moi, bah, élément moko solide. Est-ce que ceux qui ressentent que non, comme on a président Félix Antoine Tshisekedi, parce que ce qui est vrai aussi, depuis que le président est au pouvoir, Nano Yambi va parlementaire débouté comme un parlement debout. Là, c'est vrai. A quoi il y a un parlementaire, il y a un thème, il y a une représentation, il y a un parlementaire debout. Ils allaient dans le collectif, ils allaient diriger Pierre Zomba comme coordonnateur adjoint, Dieudonné Mulumba, coordonnateur titulaire, et Ngai Gustave Lutumba comme secrétaire général. Donc, le vieux secrétaire général. Oh, le vieux, il y a administration en collectif, il y a parlement debout. Alors, et là, c'est ça qui est c'est ça qui est Koloba, le collègue parlementaire debout, en engageant le parlement debout dans l'ensemble, en accusant d'abord un, Maman Marthe, Koloba Kenon, c'est Maman Marthe qui est en train de manipuler le parti aujourd'hui. Yem Toa travaille dans le parti. Augustin Kabuya ne travaille pas, Jean-Marc Kabuna ne travaille pas,
c'est faux et archi faux. Je vous dis, c'est faux et archi faux. Aujourd'hui, Bako Sayote, même à selon ma statue Nabiso, Maman Marthe appartient au collège et à fondateur de l'UDPS. Vous comprenez? Et à très local la référence parce qu'il est la femme de notre leader. Le loi Etienne Tshisekedi Akoufa, mais nous chantons toujours Etienne Tshisekedi. Vous comprenez? Et Maman Marthe aussi a des avis à émettre. Si hein, ça ne va pas peut-être au sein de l'UDPS, il a le droit de parler. Elle a plutôt le droit de parler. Elle a le droit de porter conseil. Sera monitant sous quelque part que vision. Oh Etienne Tshisekedi Azalara Nengo. Et que les hommes qui ont été mis en place, elle a le droit de parler. Mais ceux qui ont lobby, et lobby, c'est que non, ils ont place, il y a Jean-Marc Kabounda, toi, ils ont place, Augustin Kabouya. Non, c'est faux et archi faux. A joué pas ta place, il y a un parlementaire débouté. Yé, Azali toujours. Maman Nabiso, ceux qui ont été mis conseil, pour qu'il n'y ait pas pour avoir des conseils. Mais je regrettais juste notre camarade Bill, Namaloba Oya Loba Kuana. Nde Azali, comme ça, il y a un bateau, il y a un qui peut-être Kolanda Yango. Ba mitungi sate, hein, ba yebaka kake, oyonde kwana lobaki, c'est le contraire. Ce n'est pas nécessairement une vérité, mais je vous dis que c'est le contraire, il y a ba réalité. Donc, bon, ba sala, na bango juste calme. Le parlementaire debout ne vont pas marcher le 24 pour nous rekende kosenga soit misala, to kosengelo romoko songolo, misala, il y a la logique, oyo, to kosengela yango. Atika kombo ya maman Marthe na monoko na ye. Atika kombo ya maman Denise Kenon Azali ko jouer na kati ya UDPS. Non, moi je connais d'ailleurs maman Denise Azali a deux fois ko accompagner le chef de l'État na ba sortir Azali ko sala et Azali na fondation Denise Nyankeru. Oyo a deux fois tala asala tam sous ba un mois. Azo komata na fondation na été ba deux mois komata na fondation na été atika batu ba travailler ceux qui na fondation o ye mon kuta sali azali koko taracha kwate pour na ko perturber fonctionnement na ngo et à plus forte raison ezali UDPS. Donc l'ami là doit rectifier ses tirs, doit revenir à la raison. Et puis deux trois moi ça Vital Kamere ami d'ailleurs au sala nini ah na kati UDPS na bien ko pesa mitindo nini na kati ya UDPS soyons logique. Ami d'Opens a mis dans la INC. Il y a un moment dans le lobby que Ndekobilo Moussabeti peut-être qu'il est manipulé. Je dis bien peut-être qu'il est manipulé parce que je le connais très bien. C'est un homme aussi rationnel. Je le connais très bien. Mais peut-être qu'il est manipulé. Peut-être qu'il n'a pas maîtrisé. Vous comprenez ma kamoussoussou. Ami n'a rien à foutre ici. Nakat a eu de peso. L'UDPS est géré pour le moment par le président AI Oezali, Jama Kabunda Kabunda. Et puis le secrétaire général Oezali Augustin Kabouya. Voilà. Donc camarade, atikamon babilo kwa namsus oazali kosale. Et puis ngana se pété parce qu'il a engagé le parlement debout. Cependant, il n'a pas la qualité ya ko engager ba parlementaire debout nyonso. Parce qu'il n'est pas l'un des composants ya collectif des parlements debout. Nous avons un coordonnateur, nous avons un coordonnateur adjoint, nous avons un secrétaire général. S'il y a une communication à faire au nom ya collectif ya parlement debout, régulièrement, c'est moi qui l'ai fait. Vous comprenez? Donc, nous avons la communication ming à Parlement debout et ça engagé le collectif, c'est bien moi. Merci beaucoup. Oui, moi, je suis Gustave Lutumba, qui a pensé que nous avons droit de réponse à propos du président Billy. Kasi, il y a le biais de la parlementaire debout pour marcher. Oui, président Gustave, qui a pensé que nous avons droit de réponse à propos du parlementaire debout. Président Billy, il a pensé que nous avons Kasi, il y a le biais de les 24 et nous avons marché. Nous avons cité des. Loïa pona ko lobela penza président Félix Nenge boko se retrouvé te gouvernement bimi tant mosusu ba mandataire ba ko bimawa so bo sali mo marche boko ko se retrouvé moi te ka pesi le soupe likanisi malamo yo ko boya. Non, écoutez, ko ça la marche et ça ngoli kanisi mabete, vous comprenez? Maintenant aujourd'hui likambu likanisi il faut oya ko boa ka yango na isika yo sengeli et coordonner makambu comme central. Ye a une initiative ya ye moko. Il veut engager, surtout est-ce qu'on a la limite d'Ali quand il accuse inutilement et gratuitement. Bateau, nous sommes autant à combo. Maman Denise, Maman Marthe, Amida, Nabando, comme ça, Tanga et Combana, qui n'ont pas Bangonde, Bazali, Kotorpié, fonctionnement. Il y a UDPS, Jamar Kabunda, non, Gisin Kabouya, Bazaka, Bongo. Non, 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 c'est faux et archi faux. Vous comprenez? Je dis bien, c'est faux et archi faux. Aïe, bien, formation, T. Marche et vous allez les 24 T. Vous voyez? S'il faudrait peut-être que nous, les parlementaires debout, tokende, que ça la forcing,
et pas le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à recevoir Abisso. Non, il y a une manière administrative, parce que nous avons des têtes qui fonctionnent. On peut contacter, demander cela. Vous comprenez? Si vous demandez pour la première fois, on vous refuse. Deuxième fois, on vous refuse. Et que la troisième fois, on vous refuse. Là, vous pouvez emprunter maintenant d'autres chemins et d'autres stratégies. Ce n'est pas la mouika, n'a ton caraboué, au sucre à micro, bandicolobaloba. Non, moi, je suis contre cela. Écoutez, moi, l'UDPS, c'est mon parti politique. L'UDPS, c'est mon avenir. L'UDPS, c'est mon cœur. Je n'aime jamais voir les gens qui trahissent l'UDPS. Et dans l'UDPS, moi, je ne soutiens pas les individus, mais je soutiens les valeurs. Je me retire. Parce que je me connais aussi. Je sais ce que je cherche à être demain aussi, parce que le parti appartient à tous. Aujourd'hui, Tshisekedi n'est pas là. Aujourd'hui, Bamboaké est ambassadeur sous-souté. Aujourd'hui, c'est Félix Antoine Tshisekedi qui est président de la République. Aujourd'hui, histoire raison Kende. Vous comprenez? Nous avons aujourd'hui le Jean-Marc Kabunda. Nous avons aujourd'hui le Augustin Kabuya. Demain, tu auras la peine à Gustave. Demain, tu auras peut-être Naba Théo, pourquoi pas. Demain, tu auras la pourquoi pas peine à fils Mukoko. Demain, tu auras la Lissousou. Hein? Vous comprenez un peu? Naba Chole, Bayokasson, voyez un peu, tu auras la Lissousou, pourquoi pas. Naba, Banamboka, Banani, Pasteur Gili, vous comprenez un peu? Donc, tout peut arriver parce que l'UDPS est parti au Tigalaga jusqu'à ce que Mkolonzambe à Kozongaka. Alors, le Kola, il y aura toujours succession. On doit se préparer à demeurer dans la logique et dans les valeurs pour que l'UDPS est sans arrêter. Donc, on a un peu corrigé parce que quand on parle du côté du Parlement debout, bah, on a Kabagisa, le Kola, le secrétaire général, bah, on a Pierre Zomba, bah, on a Diédoné. Alors, on a l'ingaté et l'ikambo, Moutalobina, Nenge, Naye, et Akola, Tabisonyonso. Non, nous, on a un droit de réponse là. Je n'ai pas, je dirais, des guéguerres contre mon frère là, mais na lingine kaka na sokola maloba oya loba ki na sokola batumutu ba loba ki ba comprendre que non, ce qu'il a dit, ça n'engage que lui-même. Donc l'organe qui est censé engager les collectifs et les parlementaires debout dans l'ensemble, c'est le collectif des parlements debout. Voilà. Oui, moi l'amboka Gustave toko pousa moke moke lelo openza toka ki moi l'amboka CG Kabuya beta ki c'était dans le Kambo etali 15% 15% na pote bande kona biso ba combata ba zo misala ba IDPS ba zo misala kasi lelo 15% ki na longa la maibo 15% to lebela ngo soute c'est comme si mingi ba 15% c'est comme si on se retrouve à 15%. Non, 15% on a ezala qui pas il y a ligue des jeunes. Généralement on avait demandé 70%. Les partis avaient demandé 70% na ba ministère et autres. Bon moniment on ezala qui très bien explicité. Pourquoi? Parce que certains combattants bandaient ont retiré non à 70%. On a besoin de ce il faut tous se retrouver. Or, on nous parlait que dans le secteur il y a un cabinet. Donné d'ailleurs un cabinet ministériel. Tout le monde ne pouvait pas être comparté dans les 70%. Donc il aurait fallu quand même qu'on explique. En gros, ben nous sommes sous un salaka. Je m'excuse. N'azoira temps. Il y a qu'on explique. Na bande comme ce que tout le monde ne peut pas se retrouver dans le 70%. Maintenant, où est le boulot? N'a dit que non boulot est quoi? Et puis on a le bac en gros très bien. Deux semaines ou bien une semaine, je crois, après que le président Félix Tshisekedi Azala qui proclamé comme président de la République, publié par la CENI, certifié par la Cour constitutionnelle, na lobaka boeke, bisonyon soto ka nsate ke tozora misala mbala moko non. Ezala ba musuba zo misala après 2 mois, ba musu après 3 mois, ba musu après une, ba musu après 5 mois, ba musu après une année, ba musu après 2 ans, ba musu après 3 ans. Ce qui est important, ezali ka communication ezala ouverte. Et puis, collaboration est à la franche entre le parti ainsi que les combattants. Au moins, ceux qui ont des combattants ont senti qu'il y a un flou quelque part. Netamso Zubango, Bako Lukaba, on a revendiqué, Kotomboka, Kosalabanine. Mais ceux qui ont senti que nos communications sont allées franches. Ce qui est dû le parti, c'est ce qui s'effraie. On ressentit que nos combattants sont apaisés parce qu'on a lutté pendant 37 ans. Je ne crois pas que ceux qui dans 2 ans, aujourd'hui, boulot, ils sont fâchés. Non. Mais ceux qui ont des combattants, ils ont compris que non. Oh. Mais si un combattant qui est né, il y a un combattant. Oh! Mais ce qu'on sentit que nous avons fait ça, parce qu'au moins, il y a une fuite dans différents cabinets. Le ministre Robert El Souabi,
mutuana na combattant te. Vous comprenez? Et puis, combattant, il y a un vrai bout de combat, il y a un ministère parce que il y a un peu de temps à bord de la bise. A quel point il y a un coup de haut? Mais si il y a un combattant, combattant, il y a un combattant, il y a un combattant, il y a un dominé. A combattant, il y a un calcul, il y a 70%, mais il y a un combattant, il y a un combattant, il y a un énervé. Il y a un lobby, dans le bac, il y a une réunion au bisou, tout ça, il y a un na likolo kuna na bureau na biso j'avais essayé un peu de parler na pesa ki na baninga na bi que non nous devons opter une politique managériale, vous comprenez, un manager sait comment il peut jouer la carte, sait comment il peut communiquer, sait comment il peut calmer les émotions, vous comprenez, parce que toi ni parti na biso toi évoluer na ngo toi avancer na ngo na ba domaine moko songolo to ton pakala et puis l'homme c'est ali que ceux qui ont senti que nous avons un boulot parce que nous avons un boulot. Nous avons senti que nous avons un kanda. La méritocratie, oui. La récompense, oui. Parce qu'on a l'été. Mais, et ça, nabolingo. Donc, c'est que moi, je demanderais que nous avons nabolingo. Les combattants basala calme. Et je sais que le 24, nous n'allons pas marcher pour aller demander les boulots dans la cité de l'Oya. Non, les investisseurs sont. Oui, mon amboka, tu comme presque à la fin, mon tout nom soit souké ali boye. Déjà mon kolo ya lobby, ba il amuka et longo na mon amboka Martin Fayulu, ba ko tsara penza lettre na bango pour na ko marcher pacifiquement mon kolo ya les 17 au ezali penza jour to commémoraka héros na biso. Patrice Emery Lumumba, Kasi Hôtel de Ville, s'occupe de Bandimarango, mais, Bameka qui est malobi Nanzela, Tomona qui bango, Gaze, Makambo Bele, Batobazoki, Kasi Binope, Asa Fati, Bo Marchaki, Ponako Sepe Landenge, Bandegonabso, Farde Seba, Kosala Moussala, Malamo Kudana Este, Tomona qui batika, Ti, Cité de l'Oye, Batia Kibino, Bo Marché, Penda Malamo Kasi. Pour Anika Lamouka, la police est portée, bah marcha qui pacifiquement pour la rouler la bande comme ça. Est-ce que les bas Koufa au Colombien? Merci beaucoup. Je pense que il y a des problèmes. Naba marche ou un ami balé. Martin Fayulu bon bako ça Mukanda. Je crois un jour ou bien deux jours avant Bissau. Tant que bako ici. Ba répondre bango ba bisi bango que non objet o ya bango ba c'est la marche ezamabe, vous comprenez, c'est vrai que l'article 26 ya constitution lobby que non le manifestation sont garanties, mais na ce sont na deuxième alinéa ba lobby que non le manifestant doivent informer. Pourquoi informer? C'est pour na ko permettre une autorité compétente aye ba na ko zo ba mesure moko ya ko sécuriser d'abord ba manifestant. Il y a qu'on sécurise la paisible, les citoyens peuvent s'évacuer dans les différentes occupations. Mais aussi, il y a qu'on ça l'étude, il y a nature, il y a marche, il y a manifestation. Ce qui est le cas, c'est que nous avons autorisé le cas. Ce qui est le cas, c'est que nous autorisé le cas. Ce qui est le cas, c'est autorisé le cas. Non. D'abord, à partir déjà, il y a objet, quand on a vu la mouka, sombra qui déjà, parce que tant bon balobi que non objet indignation, vous vous indignez contre qui, soyons logiques. Et sur otali période auto commune ngo batuna beni ba ku fa soutenir banda ku fa liboso, il y a eu quand même un progrès significatif. Au contraire bande kona biso ba ko za na mute ma malamu ya ko reconnaître ben fort au FARDC ali ko sa balba que non nous allons faire une marche de soutien au FARDC. Yango tango moni bango ba lancer marche na bango. Il y a indignation, rappel na fane na bi hein. Le ko la bango ba sa le 17 indignation. Kanda ba fâché, ba za ko tomboka. Biso to sa la quand même marché de soutien au FARDC. Yango monaki. Et za ki marché za ki organisé nga moté, bien que j'étais l'initiateur, mais to za ki na bande ko mosusu, il y a ba différentes structures, le ko la ba association mosusu to za ki na bango le ko la ba bomoko, ba CAF, ba dynamique Julbert Kankonde, ba mouvement za ki mo ebelo to za ki na bango na mosusu limbi sangande na tangite, to za ki na ba bomoko ASBL pe zalaki to zalaki na ba mouvement mususu pe ezalaki lokola ba parlementaire debout, parce que cette idée je l'avais conçu avec les amis parlementaires debout, mais ba mususu ba ki ko diaboliser bango omoni marche wana na ebiso lingai ko zala
koleka ata 15 fois koleka bato mona kiwana. Parce que quand on a sensibilisé, on a parlé avec les amis, badinga mso bazalaka fragile, hein, o bazalaka monnayable, comprenez un peu. Tamba bengi ba babikte, zo mo dizo tiana kati a poche ndenge za bongo, global que no marche wana rozala te, to lingi marche wana te. Parce que ezala marambelo balobaki na kati. Oh non, ba sala marche wana pona oluka ndenge nini, ba kufinga ba konzi a parti. Yo yebingande na zala na la mutaba logique mutaba principe. Comprenez un peu. Na protéger d'abord parti nanga na protéger la président nanga Félix Antoine Tshisekedi. Et Nathalie que ba komi ko attribuer ngo na ba prédécesseur na ye. Ko ba kino bango ndem tu ba sala epona armée za la lelo. Denga na ba ki non. Armée na biso za la banda kala même à cette époque ya Mobutu. Mais depuis un certain temps armée na biso est accusé qui ba je dirais ba manque ya performance, vous voyez? Et ça là que non ba obeta rabiso ba rebelle ba sokota ba groupes armés fandi mais tant que fati béton à lui que non ba guerre wana aussi là frappe ba militaire ba du courage ba mutu to bandai causer là ye moli mo santu à côté de bango pe a réconforter bango faire des ces monko a comme bunda na 500 personnes mundu ki mora obeta 500 personnes ba kima de sali que le oyo to so ba explorer wana alors biso to lobaki to sala marche wana pour encourager faire des ces mais to kende ko déposer moment na biso e pas le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo oyo sali mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi. Mais moi, je suis en train de dire parce que ça n'a pas de recommandation dans ma cambelle, au bout de ça, il y a 4. Vous comprenez un peu? Pour nos forces armées de la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, tant que vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, déjà, vous avez dit, vous avez dit, vous parce que vous avez dit, vous avez dit, Rome. Donc, tant que vous avez dit, vous avez à peu près 30 ou 40 minutes comme ça, les présidents sortaient déjà pour nous voyager, te déposer me monter. Donc tu oses la retourner étant en raison d'être au Kenya pour sa mémo et pas naïe. Donc dans ce là un message au tozo et na ba service nous sur le protocole chef de l'État. Au basali qu'on a d'abisso, na ba service nous sur y a renseignement, y a chef de l'État au basali qu'on a sur na ba service y a communication. Bah y a bissé déjà que non. Bateau nous sur basala qui marche ouana pour nous soutenir ba faire des c'est mémo na bissou basali tout temps qui a repété. Tu peux pas exposer mon réseau sociaux parce que jusque là on te paye si en haut na mutu azali le commandant suprême. Donc il faut te payer en haut n'est pas naïe. Donc tant que y a zozong abisso tu quoi qu'on reformule les démarches n'abisso pour na qu'on kende ko déposer. Et déjà tu azali qu'on projeter deuxième aussi épisode y a marché toujours y a soutien au phare DC. Donc tant que bah on kanga niangala kata moko na tigalo bah landana. Donc tant que bah on kanga e beko. Deux jours, trois jours après, tu as projeté marche Moussousou pour Nasikoyo, hein, que ce pays va faire des mandala là, n'a pas poudre. Donc, marche à Moukouana, surtout au temps, on a pas poudre, le goal à Moutazi diplôme. Donc, au temps, la peine, on a pas poudre pour Nakouba. Félicitations, n'a faire des ou empêcher balkanisation. Ce qu'on a dit, langage y a pas opposant. Bangonde baza complice ya balkanisation wana. Soko lokola to beti bango ba senti que non coin o ya bango bandai ko sala beni. Pourquoi Martin Fayulu entre guillemets qui est ressortissant entre guillemets à Bandundu. Azo visiter Bandundu mingité mais il visite et il communique beaucoup plus na Beni. C'est pas un souci à Bandundu. Non, ce n'est pas parce qu'il a un souci, c'est parce que ba beta ra carte na bango quartier général ya Batunyo sur ma base là qui on a pas na balukande ni ba balkaniser mboka na bisonde ni ba créer ba des ordres. Lelo OP présent Fatia service bango kuna lobby que non. Na conseiller na za ko exhorter na ba frère na nga ya opposition. Ce balingi base la 2023 espoir il y a dialogue exacte ça là na yo ba marche ndengo lingi dialogue zéro parce que faire des ça chebiso na kimia balkanisation et ko simba soutenir na kata Congo parce que faire des assis à Télémi matondi mingi mon amboka. Merci beaucoup mon amboka et loko et sala ki siko yo marche o ya biso et simba c'est parce que objet na biso sala ki malam et puis itinéraire na biso sala ki a bien to bi to soutenir faire des itinéraire na biso to banda banda na victoire ti na cité de Loya. Soit to loba ke no to bana na victoire to kende ko cité na mozolé. Balinga ba interdit biso parce que y avait une cérémonie officielle. Bouzo ba Martin Fayulu na laboratoire na ye et ça que le 17 c'est la journée moko officielle. Bango ba bi ba banda marche na changu ba kende ko cité ti na échangeur et sika o Lumumba afandara. Ata chala ko ko kai ko sepela na ngote. Yango moni nde sali ke no Martin Fayulu mo comme na sika wana. Exalité. Soka lo bakeno lokola ya zala agent marketing ya Joseph Kabila. Soka lo bakeno na banda na Pascal Tina okena kingakati.
mutalinga a empêché linga ça au contraire ben ga batinde ba policier belé ba mentir na mutuba mais mba mba onti na kinga 4 il avait très mal choisi à la thème topé objet à la paix na point de chute naye. Il n'est pas un stratège. Il y a un bâtiment solo avec 15% de balkanisation. On a tenu Martin Fayoulou, école primaire, et ça a fait. A qui est en arithmétique, bah il y a attend précisément la match opération, la notion de pourcentage. Batal il y a. Comment est-ce que le 15% au Yazolo Barana, en termes de pourcentage dans la carte République démocratique du Congo, et ça représente au moins 4 provinces où il fallait qu'ils soient balkanisés par Félix Antoine Tshisekedi. Parce que nous avons 26 provinces. Le 26 provinces, c'est la 100% de la province de la Kata Congo. Sur les 100 divisions par 26, c'est chaque province a d'accord représenté en termes de pourcentage au moins 3,8% ou soit arrondir à 4%. Tant que Kabila avait balkanisé à 55%, donc Mbokana à 55%, c'est-à-dire 14 provinces sont déjà occupées par les rebelles. Martin Fayoulou. Si vous avez 15%, c'est-à-dire Fachia Bakisi, 4 provinces au Bandaya Yé. Bah ADF bah occupé en haut. Cependant, pendant Fatia Yé, bah ADF, tout la moussia zaza, Congo comme un abisso, Kitoko, Martin Fayoulou, qui est autant à fort, hein, ça rendra vraiment la fatigue parce que, au commune éperdement, au commune comme ça la film, tu évites sur Yaba Ninja, sur Yaba Commando, au commune il passe à Némon Antemi, Yala terre rouge, Yala terre jaune, Yola terre pembe, Yambalo Rola Tanine, Yamwindo, tu es à Chorola. Merci mingi président Gustave na ngi pendu ko sala droit des réponses na ba propos onyo se lobama ki na moko ya ba parlement debout waza penza kuna na hôtel de ville na ndenga lobaki ete IDPS e ko kamba bongo na maman Olive na maman Denise et puis na mosi ya dirka ben maman Amida Kasina na na maman na biso maman Marthe kasi président Gustave a dénoncé en lobby IDP se kambamaka na président Jean-Marc Kabound pe na CG Augustin Kabuya Petozui collège Nyon soto komina suka merci na oza ki pona sima caméra Guy Botombela merci na bala nyonso bala na biso partout dans le monde entier mon vieux Roger Louma Molobel Monen et président Félix Bambote Nayo j'en suis bon mon papa social depuis États-Unis c'est les Tunga de Lausanne Bambote Nayo papa Jean Compaoré na pesio Bambote depuis Bruxelles pe junior Madeda les rassembleurs de Litonge papa Nelikia ngala bino songi nzamba zongite to munani na mikolezali kuya KPG Énergie société spécialisée dans la vente l'installation et la maintenance du système solaire. KPG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KPG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KPG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, deux équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KPG Énergie, finis le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256 immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe référence rond-point Kimazière info kbg@yahoo.com KBG Énergie qualité et fiabilité.